Salut Internet, c'est Kamof, j'espère que vous allez bien. Bientôt j'ouvrirai vos colis dans une vidéo et en direct. Donc n'hésitez pas, il reste peu de temps avant que je les ouvre. Je les ouvrirai sûrement en décembre pour Noël. Envoyez-les à l'adresse suivante qui s'affiche juste en dessous et je les ouvrirai tous. Si vous voulez apparaître dans la vidéo, si vous voulez que j'ouvre votre colis dans une vidéo, si vous voulez passer dans ma vidéo et avoir votre dédicace, n'hésitez pas à envoyer vos colis à l'adresse qui s'affiche juste en dessous. Salut Internet, c'est Kamof. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ce sera une expérience sociale. Comme vous le savez, en ce moment il y a de gros problèmes au niveau de la France avec les gilets jaunes, avec notre président, et tout ne va pas pour le mieux. En regardant les informations, je me suis aperçu que 80% des Français étaient pour le mouvement des gilets jaunes, mais que 20% étaient contre et ne voulaient pas se manifester. C'est pour cela que j'ai voulu partir à la rencontre de ces fameux 20%. Et j'ai eu ma petite idée. Nous nous sommes donc rendus dans des milieux bourgeois, des milieux aisés, où les gens n'ont pas forcément besoin d'argent et ne sont pas forcément touchés par ce qui se passe en ce moment en France. J'ai pris un gilet jaune, je l'ai porté et je suis allé dans ces quartiers bourgeois marcher au milieu de cette bourgeoisie. Tout ça, bien évidemment, était dans le but de connaître la réaction de ces gens qui ne se sentent pas touchés par le mouvement des gilets jaunes et pour voir ce qu'ils allaient faire. Bien entendu, en précaution, j'ai acheté un vaporisateur. J'ai mis de la peinture jaune dedans au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu. Comme je n'ai pas envie de décrédibiliser cette cause qui est pacifiste, j'ai préféré prendre les devants et ne pas agir par la violence. Je vous laisse regarder cette vidéo dans son intégralité pour connaître la réaction des gens et savoir ce qu'il s'est passé. Et on se retrouve à la fin, comme d'habitude, pour une conclusion. Ciao. J'ai fait cette intro, j'ai fait la vidéo déjà. On est allé dans un quartier assez bourgeois où c'est un milieu aisé. On a mis un gilet jaune et on a marché devant plusieurs personnes dans ce quartier dit bourgeois. Ce qu'on voulait voir, c'était la réaction des gens et savoir comment ils allaient prendre le fait qu'un gilet jaune se balade sur les lieux. Avant que la vidéo commence, je fais une publicité pour mon ami Trillionnaire Prono. Là, il y a eu une PS4 qui a été gagnée par un gagnant que j'affiche juste en dessous. C'est vraiment important de le rajouter sur Snapchat parce que non seulement vous pouvez gagner de l'argent, mais vous pouvez aussi gagner des cadeaux. C'est complètement gratuit et vous pouvez le rajouter sans pression. Il y a aussi mon ami Une Vie qui fait des lives sur Fortnite tous les jours de 18h à 20h et qui fait gagner des V-Bucks. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube qui s'affiche juste en dessous. Il joue aussi avec ses abonnés et franchement, il y a du level. Je vous laisse maintenant avec la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion comme d'habitude. Pardon ? Il est 18h là, même il est presque 19h on va dire. Et qu'est-ce que vous... Excusez-moi, est-ce qu'on se connaît ? Vous êtes quoi ? Vous êtes pas un casseur au moins ? Vous êtes un casseur, vous êtes... Non. Ça casse de tous les côtés, c'est n'importe quoi, ça, c'est gilet jaune. Là. Vous n'avez que ça à faire, franchement. C'est mes opinions, j'ai le droit de faire ce que je veux avec... Ça m'énerve, parce que ma femme, elle est à l'hôpital, et les rues se bouchent. Non, c'est bon pour de l'essence, des machins, ok, il y a les taxes sur l'essence, mais au bout d'un moment, il faut travailler, monsieur. Là. C'est un quartier ici, tranquille, vous voyez, ils sont pas trop pour les gilets jaunes. Oui, oui, j'imagine bien. Oui, je vais pas l'enlever, hein. Moi, je c'est mon opinion. Si j'ai envie de prendre un gilet jaune, je garde un gilet jaune. Après, je suis pas un casseur, je suis pas un voyou, voilà, j'ai un gilet jaune, c'est tout. Faut arrêter au bout d'un moment parce que vous comprenez. Arrêtez quoi? Ça, je vous laisse, hein. Ça va m'énerver, ça va me mettre en colère. Bon, écoutez. Allez. Bonne soirée, mais faites quand même attention parce qu'ici c'est un peu mal. Vous pouvez prévenir, monsieur. Ah, il m'aura prévenu. Il y a un mec, filme-le, s'il te plaît. Bonsoir. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous portez là? C'est inadmissible, un gilet jaune dans ce quartier. T'as quel âge? 18 ans? Oui, moi j'ai 18 ans. Et pourquoi tu me dis de... Qu'est-ce que tu me donnes des leçons de morale? C'est quel âge j'ai? C'est pour vous, c'est un conseil. Mais quel conseil tu vas me donner? T'as 18 ans, t'as encore du... Non. Attends, fais voir. Attends, fais voir! Non, mais je te pince le nez, t'as du lait qui sort. Mais c'est pas le vrai. Mais tout ce que j'appelle la police. Mais pas pourquoi t'as? Ah, c'est un truc de fou, t'as peur parce que j'ai un gilet jaune? T'es né avec une cuillère en or dans la bouche? Non. Ou une cuillère en argent dans le fion? Non. Alors que tu me dis. Inadmissible tout ça là, gilet jaune en plus là, dans ce quartier. Toi, à mon avis, on n'est pas de la même catégorie, toi et moi. Non, c'est quoi? Trace ton chemin. Trace ton chemin là. Bah, oui, mais... Tu peux pas le faire. Non, mais. Ça s'explique. Y'a pas de conseil, tu me donnes quel conseil? T'as 18 ans dans le cul. Oui, mais. Tu me donnes pas de conseil. Je suis majeur, vous savez. Et alors, j'étais majeur de quoi? S'il te plaît, non. Allez, non, va là-bas. Ne touche pas, me moquissez pas, je vous préviens. Ta gueule, bah. Ah, il est jeune, il a 18 ans, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je le frappe? C'est bon. Quartier de. Ah, vraiment, c'est un quartier ici. Ah, rentre chez toi, va. Ouais, ben rentre chez toi, sale gueux, tu vas le dire à ta mère. Arrête de regarder la télé, mongolien. Ouais. Viens, on va un peu plus loin parce que je vais te frapper, va-t'en. T'as 18 ans, t'as l'âge que je te frappe. Arrête, va, arrête.
Ah, arrête, parce que tu es en train de me montrer une... Je suis en train de montrer une mauvaise image des gilets jaunes, s'il te plaît. Je suis pas violent, s'il te plaît, va-t'en. Ouais, sale gueux, il m'a dit. Ouais, il me dit sale gueux. Sale gueux, frère. Sale gueux, tu sais ce que ça veut dire? C'est ce que c'est une gueux? Cherchez les définitions du mot gueux sur internet, vous verrez ce que c'est. Vous verrez comme ces gens-là nous voient à nous. Vous verrez. Tapez sale gueux sur internet, vous verrez. Il y a un mec, il y a un mec. Viens, hein, ça. De quoi? Bah, le gilet jaune. Ah putain, t'es... mais c'est sérieux ou tu te fous de ma gueule? Parce que là, non, si c'est réel, tu te fous pas de ma gueule. Ah non, mais sûr, c'est réel, putain, on soutient à fond, on soutient à fond. Merci, frérot, franchement. Pourquoi ils sont comme ça? Ah, ici c'est un peu aisé, mais bon, de là, est-ce que les gens ils disent ouais, on peut pas. Je te jure, non, mais on est dans un quartier, je sais pas, c'est bizarre quand même, tu vois, les gens ils sont contre ça. C'est pour ça que je croyais que tu te foutais de ma gueule. Parce que t'es le premier que je croise qui me dit ouais, c'est bien. Tu vois, on se fait taxer de partout, l'essence. Non, je sais bien, ouais. De partout, les taxes, il y a tout, c'est en train d'exploser, c'est n'importe quoi, tu vois. Quelques mois j'étais en HLM, tu vois, là je suis allé venir vivre avec ma copine, tu vois, elle travaille bien et tout, c'est vrai que c'est un monde à part, tu vois, ici, c'est ça rien à voir. C'est cher ici, non, ça doit être cher. Après, tu vois, je te le dis, s'il n'y avait pas ma copine, moi, je retourne en HLM direct. Moi, je suis cariste, c'est déjà dur. C'est quoi, cariste? Moi, je suis cariste. D'accord, ok. Les gilets jaunes, c'est quoi? C'est pacifiste. Après, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, après, c'est vrai que... Non, nous, samedi, il n'y avait rien, tout s'est bien passé. Vraiment, c'était pacifique. Vous avez fait quoi? Vous avez bloqué les routes? Vous êtes mis des routes? Oui, vous avez bloqué, voilà, les on a bloqué les routes, on a mis des petits panneaux. On dit, ouais, t'es un casseur, on en a marre, mais je suis pas un casseur. Mais ces gens, ils s'en foutent. C'est quoi? C'est pour ça. C'est pourquoi? Parce qu'ils vivent ici. Ils sont dans un cocon ici. Il y a une caméra juste là, en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Tu vois ah la petite lumière là, rouge? Ah, mais ça va. Franchement, ça fait plaisir de voir des gens comme ça. Mais ça m'étonne quand même que ce soit la meilleure, parce que après, c'est peut-être le quartier ici, c'est vraiment, comme je te dis, tranquille. Il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent, mais. Mais franchement, parce que là, toute la France, on est ensemble, on est ensemble. Mmh. Ouais, c'est des pince cul ici, tu vois pas, il y en a beaucoup, c'est des pince cul ceux-là, pas monsieur, tu vois, c'est, voilà, c'est ouais. Des pince cul. Bah, mais je suis venu ici pour ça, justement, parce que je sais qu'il y a des pince cul ici. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez des gilets jaunes? Parce que le monsieur, là, apparemment, il fait... Ouais, parce qu'on est en train de débattre, en fait. On se connaît pas, il m'a vu avec les gilets jaunes. Il m'a interpellé, il m'a dit c'est bien, mais après, moi, je dis... Je suis pas pour la casse. Voilà, moi, il y a beaucoup de gens, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Qui sont pas d'accord pour avec les gilets jaunes. Même, les casseurs, ce sont des professionnels. Hein. C'est ouais, c'est merde. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Racaille qu'on affronte. Ouais, c'est vrai. Ça a strictement rien à voir. Ouais, il vrai. Faut surtout pas les mélanger. Non, mais plus quoi encore. Et ce que j'aimerais chez vous, c'est que ce soit une force démocratique. Donc vous êtes plus pour les gilets jaunes. Vous êtes. Ah ben alors, je suis pas du tout indifférent. D'abord, je suis pas contre. Je ne partage pas toutes les mêmes revendications. Ah, c'est clair. Non, c'est clair. Je comprends bien. Pourvu que ça dure et que ça change, quoi. Moi, c'est ça surtout, non, en fait. Pas trop, parce qu'il y a des mecs qui bossent aussi. Ah, c'est un putain d'enculé. Ah. Vous verrez, vous serez vous aussi un jour dégoûté par les politiques. Quand vous me dites demain, c'est une force démocratique blanche, moi, ça me plaît beaucoup. C'est clair. C'est clair. À bientôt, monsieur. Au revoir. Faire une quatrième fois. Troisième fois la main, ça fait plaisir. Et... Ça va, je vais aller à la vas-y, maison. Vas-y, gèle. On a eu une bonne réaction, je m'y attendais pas du tout. Ce qu'on va faire, on va aller ailleurs, on va aller dans un autre endroit, sur le banc. Essaye de le prendre. Bonsoir, monsieur. Ne me dites pas bonsoir, s'il vous plaît. Pardon? Ne me dites pas bonsoir, s'il vous plaît. Pourquoi je vous dirais pas bonsoir? C'est quoi le problème? Vous représentez les gilets jaunes, je suppose. Ouais. Et vous êtes fier de représenter les gilets jaunes, donc? Mais c'est quoi votre délire dans ce quartier, là? C'est quoi votre problème, en fait? C'est quoi votre problème? Ici, on est dans un quartier bourgeois. Je sais pas si vous avez remarqué. Le sol est propre, tout est propre, c'est de la verdure. Oui. Nous sommes très contents du président que nous avons. Nous avons de l'argent. Nous voulons rester dans ce cadre. Ok. Quel rapport avec bonsoir, pas bonsoir, je comprends pas. Les gens de mon milieu ne parlent pas avec les gens de votre milieu. Qu'est-ce que tu racontes? Parce que je porte un gilet jaune et parce que je porte pas les, je partage pas les mêmes idées que toi. Les mêmes idées, surtout la classe sociale, surtout. Toi, tu parles pas à des gens comme moi, à des gens qui touchent un SMIC, en fait, c'est ça? J'évite au maximum. Ce n'est pas parce que tout le peuble est ignare que nous autres nous disons être. On est des ignares, nous. La majorité ne veut pas dire l'intelligence, vous savez. Donc ça veut dire quoi? J'ai pas le droit de rester ici, moi. J'ai pas le droit? Parce que j'ai un gilet jaune, j'ai pas le droit de te parler, j'ai pas le droit de marcher ici, en fait. Pour votre sécurité, il est préférable. Et alors, et si je l'enlève pas et que je prends pas, il va se passer quoi? C'est quoi en fait? C'est quoi? En fait, tu fais quoi comme travail? Moi, je suis curieux, tu fais quoi comme travail? Pour l'instant, j'ai 22 ans, je ne travaille pas encore. J'ai la chance d'avoir un père qui est assez aisé et qui me permet de vivre de manière confortable. J'ai un nom de famille prestigieux, ce qui n'est pas votre cas sûrement. Mais qu'est-ce que t'en sais? La casquette à l'envers, le gilet jaune, vous sortez sûrement du travail. Donc toi, en fait, c'est bien beau, tu vas me dire que j'ai pas le droit de m'asseoir ici, j'ai pas le droit de marcher ici. Hein, et que tu as un nom prestigieux, et que moi en fait j'ai un nom de famille de merde, ma famille c'est de la merde, c'est ça? Ressemblez aux gens de la classe moyenne, au smicard. Mais tu sais à quoi tu ressembles toi? Un con. Vu que t'as l'air, t'as un nom prestigieux, et qu'à mon avis ce banc est aussi prestigieux que ton nom. Exact. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir ici, d'accord? Je vais m'asseoir parce que tu m'as dit qu'il fallait pas que je reste ici. Je vous conseille pas, mais. Mais tu vas faire quoi? Je sais me battre, j'ai pas peur de vous, essayez de vous asseoir, il y aura pas de soucis. Vous verrez. Ah donc je vais m'asseoir ici, tu veux qu'on fasse la bagarre après? Tu veux qu'on se castagne après? Ce banc est prestigieux.
mon cul est aussi prestigieux que ce banc. Je vais m'asseoir là, et on va voir comment tu vas me faire lever d'ici. D'accord. Okay, pas de soucis. Et mon gilet jaune, je le lève pas. Maintenant, à notre époque, la majorité des smicards, vous êtes un peu des flemmards qui profitaient du système. Tu crois? Je ne crois pas, j'en suis sûr. Je rigole un peu, tu vois, c'est rire nerveux. Et quand je commence à avoir une rire nerveux, c'est que je deviens nerveux. Et j'ai pas envie de devenir nerveux parce qu'au final, je vais décrédibiliser cette cause qui au final est pacifiste. Montre-moi comment tu es prestigieux, comment tu vas me faire lever d'ici. Vas-y, regarde. Je m'assois, je pose. Tu vois, je pose mon cul, mon boule. Tu sais ce que ça veut dire, un boule? Oui, les fesses. Voilà. Bah, je vais poser mon boule ici et on va voir si toi, toi tu vas me faire lever. Je vais pas me mettre à votre niveau, je vais pas vous faire lever. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous enlever votre gilet jaune. Ne me touche pas. Un conseil vraiment d'amis, ne me touche pas. Donc là, ok. N'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur, tu me dis. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me fais pas peur? Moi non plus, tu me fais pas peur. Voilà, confisqué, logique. Bon, écoute, on va faire. Là, j'aimerais bien te lever la main dessus, mais les gens comme toi, ils vont au commissariat, ils portent plainte, tu vois, et après, je vais être en pour moi, alors que c'est toi qui viens de me faire un truc de fou. Toi, tu es un homme, tu as dit, tu n'as pas peur des gens comme nous. On te fait pas peur, les gens comme nous. Moi, je te fais pas peur là. Pas du tout. Vu ce que tu as fait, je te fais pas peur. Non, sinon, je serais parti depuis longtemps. Voilà, je t'impressionne pas. Pas du tout. Donc, est-ce que si tu es vraiment un homme, tu m'attends 5 minutes et je reviens. T'inquiète pas, je vais pas venir avec de la violence, je vais pas revenir avec des gens, je vais pas te faire de mal, je vais pas te faire de mal. Mais reviens ici, j'aurai une petite surprise pour toi. Honore ton nom prestigieux. Normalement, je suis pas fan tu de surprise. Honore ton nom bourgeois. Je vais l'honorer. Tu vas l'honorer. Ton nom prestigieux t'attend. Dans même pas 10 minutes, 5-10 minutes, je reviens. Tu es sûr? Oui. Tu me sers la main? Non, non, vous avez les mains sales par contre. Bah, j'ai des mains de travailleur. Eh oui. Alors écoute, je reviens dans 5 minutes. Ok. Ok. Allez, à de suite. Et garde le gilet jaune, hein. Garde-le, il va te servir. Sérieux, il va te servir. C'est bon, j'ai pris l'arme du crime, chargée à bloc. Ah, je suis là, mec. Ouais. Je suis désolé, j'ai mis beaucoup. C'est quoi cette... C'est une caméra? De quoi? C'est une caméra, non? Oui, c'est une caméra. Tu sais pourquoi? Parce que je voulais te montrer mon métier. Ben moi, je suis peintre, tu vois, c'est pour ça que du coup, j'ai les mains jaunes. Bah, voilà. Ça m'intéresse. Et pas, je voulais te montrer. Je voulais te montrer mon métier. Vous m'avez fait attendre pour montrer votre espèce de pistolet à peinture, donc. Ouais. C'est ça l'intérêt. Ouais, pour te montrer mon métier, ouais. Je suis un peu déçu d'avoir attendu autant de temps pour ça. T'es déçu d'avoir attendu autant de temps? Ah oui. Est-ce que tu cours vite? J'ai fait de la sélection. Ouais, ben on va voir si tu cours vite. Mais c'est bon. Gros. Chez moi, gros! Mais allez! Chez moi! Oh putain de merde! Allez! Oh putain! Eh, tu sais ce que c'est d'être un gilet jaune maintenant? Oh putain! Eh, tu sais ce que c'est d'être un gilet jaune? Je vais poser ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça permettra aux gens comme lui de rester tranquilles. On se retrouve à la fin pour une conclusion. J'ai couru 10 mètres avec 10 kilos sur le dos. Ça se voit que ça fait longtemps que je fais plus d'athlétisme. Ouais, les gilets jaunes, ouais, les gilets jaunes, ouais. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez kiffé. Comme vous avez pu l'apercevoir, en 2018, il y a encore des gens qui se sentent au-dessus de tout, juste simplement parce qu'ils ont de l'argent. Je mets ça un peu, pour moi c'est un peu du racisme, parce que dire à quelqu'un, ouais je te sers pas la main parce qu'on n'est pas de la même classe sociale, ou ouais toi tiens un smicard, toi ci, toi là, pour moi c'est du racisme et c'est intolérable. C'est pour ça que vu ses propos et vu le comportement du dernier jeune avec qui j'ai parlé, j'étais obligé de le repeindre en jaune et de lui montrer à quel point ça peut lui servir de leçon d'avoir des propos aussi graves. En ce qui nous concerne, vous pouvez nous rejoindre sur Snapchat. Il s'affiche juste en dessous, c'est Camoff, C-A-M-O-F-F. Nous avons aussi un Instagram sur lequel vous pouvez nous suivre 24h sur 24. Il s'affiche également en dessous, c'est Cam-Off-Officiel. Pour les vêtements Camoff, si vous voulez porter notre marque et si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. C'est bientôt Noël, profitez-en et pour 50€ d'achat, vous aurez un porte-clé offert. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne YouTube qui s'affiche juste là. Voilà, on est je crois 370 000 sur la chaîne.
On va en route pour les 400 000. Je compte sur vous pour partager notre chaîne, pour partager nos vidéos et pour les aimer si vraiment vous les kiffez. C'était une vidéo sans réel but précis, mais je voulais vous montrer à quel point je supporte cette cause et à quel point il fallait que ça reste pacifiste. C'était Kamoff, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain à 18h comme d'habitude pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, faites attention à vous et surtout, ne cassez pas. Ciao.